et on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti, et bah Swan, c'est une tonne de colis perdus. Tout ça. Et ouais, on rigole pas quand on parle d'une tonne. Oh mais dingue. C'est parti. On doit ouvrir. Voyons voir le premier truc. Allez, c'est parti pour le moment de vérité, mon Swan. Oh, il y a plein de paquets. Oh là là. Ok, mon Swan, c'est parti. J'espère qu'il verra un fragile prochain parce qu'en vrai, tout va tomber. Allez, let's go. Moi, j'en ai un dans la main. C'est là. Moi aussi, on peut tomber sur vraiment des trucs incroyables. Alors là, c'est un moule. Alors, c'est un moule, je sais pas quoi, des petits gâteaux. Mais du coup, dedans, j'ai un autre colis. Ça a peut-être un rapport. Hein. Voyons voir. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est un micro? C'est un micro? Ah ouais, attends. C'est un mini mixeur. Oh, c'est pas mal. De mon côté, j'ai un moule à un café. C'est-à-dire qu'on peut faire en fait du café moulu avec en broyant des grains à l'intérieur. J'ai un peu tiré sur le câble et je l'ai cassé. Quoi, tu as cassé? Bah, j'ai pas fait exprès. Bon, et moi, du coup, moi, je vais un petit micro cravate. On va le tester. Ok, 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que Swan le gros m'entend? Oui, j'entends le gros là. Bon, les gars, je sais pas si vous savez, mais on a déjà fait une vidéo avec des colis perdus et on a été un peu déçus. Donc là, on fait avec une marque différente et on espère vraiment avoir des super trucs. Déjà là, on a le micro. Bon, ça va. Ça va, c'est pas mal. Par contre, la machine à café qui se casse direct, c'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pull. Oh. Voilà, notre premier pull de la vidéo. Il va y en avoir beaucoup. De mon côté, j'ai un objet inidentifié. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez, mais les gars, c'est un pot Ralph Lauren. Attends, mais c'est un vrai? Je sais pas. Vous me direz en commentaire, c'est que le logo il est un peu bizarre. Enfin, c'est une impression. Attends, si c'est vraiment un polo Ralph Lauren, Swan, t'as gagné au Ouais, j'avoue. Hein. Mais du coup, je suis pas sûr du tout. Vous me direz en commentaire, on va peut-être vérifier sur internet. Mais ça commence bien. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Box. Boîte bizarre là. On dirait qu'il y a une sorte de liquide dans la boîte, c'est trop bizarre. Oh, t'as une montre. Une montre? Alors, Swan, en fait, c'est une montre à billes magnétiques. C'est-à-dire qu'elle va pas marcher avec des aiguilles, mais avec des billes aimantées. D'accord. Donc, c'est parti, on va la lancer. En fait, les gars, la bille du milieu indique heure et la bille à côté indique les minutes. Donc voilà, c'est une version super originale de montre. Les amis, de mon côté, j'ai eu des objets huilés, c'est-à-dire qu'il y a plein d'huile dedans. Je sais pas à quoi ça sert, vous me direz en commentaire. C'est vraiment le mystère complet. Ok, d'accord. Bon, attends, c'est méga stylé. Génial. C'est une sorte de petit aquarium pour un bateau. Un bateau de pirate, ouais. Je sais pas si vous voyez. Donc les amis, en fait, c'est un presse-papier. C'est pour garder par exemple les feuilles sur un bureau pour pas qu'elles s'envolent. Et du coup là, c'est avec un bateau pirate. Donc vraiment, c'est trop stylé. Regardez si je le bouge un peu. Hop là, il y a une tempête. Attends, il y a un tsunami. Attention. Regardez. Une caméra de surveillance? Non, regardez les gars, c'est une fausse caméra. Ah d'accord, c'est pour faire des pranks. Ou pour intimider les gens. C'est quoi ce délire? En fait, c'est une caméra qui fait des lumières grâce au soleil et du coup en fait qui fait rien. Regardez-moi ça. Security system. Du coup là elle peut s'allumer. Du coup la nuit coup, bah, ça va s'allumer en ça va faire un laser. T'as le câble. Il y a un juste là-haut. C'est parti mon Swan. C'est des petits trucs genre des faux émeraudes. Des petits diamants, des petites paillettes. C'est ça, ouais, c'est trop drôle. Transat robot. De mon côté les amis, j'ai ces sortes de petits trucs là, je sais pas ce que c'est. Transat robot micro serveur 9G. Alors dites-moi en commentaire ce que c'est, je sais pas du tout. Allez. Yo, attends, c'est encore une montre? Je parle. Décidément, il y a que des montres, Swan. C'est une belle, j'ai plein de montres. Oh. C'est quoi? Un Dragon Ball. C'est un livret de cartes à collectionner. C'est trop bien. C'est pas un tapis de souris ça? Bizarre, tapis de souris. Aucune idée de ce que c'est. On peut changer la couleur du truc. Bizarre les couleurs et tout. Oh. Mais attends, on a des boosters Pokémon. Et bah c'est parti, par opening. Regardez les amis, on a du coup le fameux classeur de cartes. C'est vrai. Et là il y a des vrais boosters, c'est vraiment des vrais boosters hein, effectivement. Oh, j'ai jamais vu ces cartes. C'est des cartes françaises? Non. Non, anglaises, d'accord. Ok. Ok. Vantage. Wow. Mais quoi? Rapion V, enfin Drascor du coup V. Il est pas au graphique? Il est full art. Ouais, il est full art. Enfin, il ne sent pas mais... Wow. Ok, bah, trop bien. Et on a déjà des trucs rares hein. Attends, un Arceus V. Arceus V, mais quoi? Mais attends, quelle dinguerie. Quel pack opening de malade. C'est génial, regarde, en plus la carte est fausse. C'est trop bien. Ouais, j'avoue, c'est génial, les gars. T'avais capté que c'était des fausses cartes? Pas tout de suite, mais c'est vrai que Arceus il m'avait un peu suspicieux. Ah oui, et du coup dans notre colis j'avais deux montres. Pas ouf. Sympa ça. Et ce truc là. Bizarre, ouais. Bon, voilà. Donc, aucune idée. Allez, maintenant sur Nico, on ouvre ça. Attendez les gars, regardez, c'est quoi ça? On dirait un chewing-gum. Et de mon côté, c'est une imitation ratée de Calvin Klein. Voilà, c'est un peu trop façon, regardez. Il y a un haut aussi. Alors c'est parti. C'est un autre paquet, ça m'a l'air d'être un truc pas mal là. C'est quoi c'est Spider-Man? C'est quoi c'est Spider-Man? Au secours, Spider-Swan, venez m'aider. Je suis Spider-Swan. Wow, merci. Ouais, pas très convaincant hein. Je vais peut-être me sauver tout seul finalement. Quand le costume est vraiment génial hein. Ouais, effectivement, je vais garder pour la vidéo. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ces vêtements? Ces chemises, ouais. T'as des belles chemises avec carreaux. J'ai une veste en cuir, mon Swan. Eh Néo, sur combien sur 10 ou flow? Ok, on y va. Oh, j'ai des chaussures. Itchou Fashion. Ok. C'est sûr. Bon, en vrai, elles sont stylées quand même, j'aime bien. Donc, Swan a eu un symbole Spider-Man. Wouah. Spider-Swan. Il y a des protections pour casque. Spider-Swan. Oh, mais attends, mais c'est des chargeurs d'AirPods. Mais ça, c'est des AirPods.
Alors, des AirPods très très wish. Hein. Alors, vous pouvez pas vous rendre compte, mais les AirPods sont hyper méga légers. C'est vraiment bah, du wish. Ok, encore des AirPods de wish de mon côté. Deux fois même t-shirt. Encore un t-shirt. C'est encore des AirPods de wish, mais d'une forme différente. C'est vraiment spécial. Mais... t-shirt noir. On a tous les couleurs, les gars. Et de mon côté, du coup, j'ai eu des AirPods moches. Mais de des AirPods de quoi en fait, finalement? C'est pas ça. C'est bizarre, ouais. Oh, attendez, c'est un Pokémon. J'ai eu un rasoir dragon. Mais regardez-moi ce rasoir. Wow. C'est plein de cartes totalement officielles. Oui, c'est génial. Attends, je monte déjà mon rasoir. De mon côté, j'ai vraiment un rasoir dragon. Alors, les motifs dessus sont magnifiques. Par contre, le rasoir, bon, il est un peu bizarre. Et il marche. Oula, il marche, les amis, regardez. Et du coup, de toute façon, on a des cartes Pokémon Go. Alors, en vrai, les cartes sont peut-être fake, mais elles sont magnifiques, regardez. Comment ça, elles sont peut-être fake? Elles sont 100% fake. Regarde ça. Magikarp et Wonord. Voilà, donc on a un Mewtwo. Fais voir un peu les cartes. Regardez, c'est trop mignon. Il y a des Pikachu costumés et tout, elles sont magnifiques. Alors en vrai, ces cartes-là, je veux bien les avoir, c'est pour les trades en mode c'est des vraies cartes. Ah d'accord, pour arnaquer quoi. Des sympas ça. Enfin voilà, franchement, elles sont quand même stylées. Alors attends, c'est un peu serre avec du marbre dessus, on dirait. C'est quoi ça? C'est pas des ballons? Ah si. Regarde, cartes. Oh, c'est des trucs cartes. Je sais, c'est des trucs d'anniversaire. Oui, regarde. Bah ça en fait, c'est pour de la déco, c'est pour faire une sorte de faux marbre. Et bah là en fait, c'est pour le sol, c'est exactement la même chose. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Hein? Ah, c'est un marque-page! Regardez les gars, c'est un marque-page tortue! Du coup, voici le fameux marque-page torture. Tortue, pardon. De Swan. C'est pas regarde de Swan. Sa tête. C'est pas un celui-là. C'est un décapsuleur bouteille, bière. Alors, du coup, de mon côté, j'ai un pack de bière, voilà, minuscule, donc c'est marrant. C'est marrant. Mais qui fait en fait décapsuleur. Donc, franchement, c'est très très sympa le concept. Là, c'est marrant, j'aime bien. C'est en fait, c'est un porte-monnaie secret. En gros, c'est un truc à mettre autour de la manche. Si on regarde bien, regardez, il y a une fermeture équerre. Et du coup, tu peux mettre bah, du coup, les pièces okay. Bah, dedans. Non, ensuite, tu bien. Remets et ça cache. Ça, c'est parfait pour toi. Essaye de deviner à quoi ça sert. Pour me gérer le tour de ventre. C'est ça, j'ai rien dedans. Non, 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 un kilomètre. Okay. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est un puissance 4. Fun. Ouais. Caresse la souris pour la réveiller. Viens. Viens. Ouais, viens, viens. Allez, viens. Allez. C'est bon, y'a rien. Oh non, elle est cassée. Non, j'ai bloqué. Il est censé faire quoi? Ouais, ouais, un peu vieille la souris. Et là, on a puissance 4. Pour ça, Léo. Oh, j'en ai un. Ça, c'est un truc à mettre sur un doigt pour cliquer au pouce. Bah, si on regarde, il y a un sweat à détailler. C'est un sweat de chat. Oh, attends. Oh, c'est des voitures 15. Oh, c'est des voitures 15. Donc, les amis, voilà, je retombe en enfance avec les voitures 15. J'étais un passionné quand j'étais petit, donc là, ça fait trop plaisir de toutes les revoir. J'avais même le camion Mac, vous savez, le pote de Cars. Et je pouvais mettre toutes les voitures dedans. J'avais aussi le sous-marin du dos. Enfin, voilà, j'étais un passionné. Donc, voilà, ça fait plaisir, petit retour nostalgique. Attends, Léo, quoi là-dedans? C'est encore une coche. Oh, encore une coque, ouais, astronaute. De mon côté, du coup, j'ai une coque astronaute. Donc, bah voilà, c'est tout. Avec ça. Voilà. Et de mon côté, j'ai des pinceaux. Ah, des pinceaux roses. Attends, mais c'est génial. C'est une calculatrice. C'est une calculatrice, c'est Hello Kitty. Ah, c'est un kit de maquillage, j'ai l'impression, moi, que j'ai. Ouais, ouais, c'est ça. C'est des lisseurs pour cheveux. C'est tiens, ça, je sais pas du tout. Merci. Donc, voici la calculatrice Hello Kitty. Bah, en vrai, elle est stylée, hein. Ouais, elle est, c'est, elle est bien c'est drôle, bien marrante. Ouais, ouais, elle est marrante. C'est validé, marrant. Hein, franchement. Attends, mais regarde, elle marche en pied, du coup. Enfin, il y a les pieds à cul. Ah oui, oui, c'est le principe d'une calculatrice neuve. Enfin, voilà. Mais bon, j'aime bien quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est. Ça, c'est un rasoir professionnel. De mon côté, les amis, voilà, j'ai un rasoir transparent méga stylé avec une immense pile de la marque. Non, franchement, j'aime bien. C'est vraiment cool. Hein. C'est quoi ça? Hein? Une smartwatch? Quoi? C'est un truc que tu mets sur les tibias pour protéger, je crois. Non, ou, sur les jambes, bah, c'est pour l'effort physique. Non, en fait, ouais, voilà. Non, c'est pas. Enfin, je vous explique, c'est simple. C'est pour que tu sois plus confortable quand tu fais l'effort physique. Et ça, c'est. Il y en a deux. On dirait une Apple Watch. Oui, c'est exactement pareil, les smartwatch en fait. C'est le même truc. Mais c'est génial ici. Si c'est vrai, c'est génial ici, mes gars. Les amis, là, il y a plein de trucs, on va vous montrer tout ça de près. Là, du coup, on a des fausses dents. Donc, dents vertes. C'est génial. Dents en or, voilà, c'est pas une blague. C'est trop pratique. C'est particulier. Là, on a un bracelet et là, du coup, un collier pour animaux, je crois. Voilà. D'accord. Et là, d'autres bijoux, etc. Il y a pas mal. C'est très diversifié. Ouais, bien soigné. Ouais, il y a des smartwatches aussi. C'est ça, et une coque. Ok, soit t'es prêt, colis suivant. On y va. Fais tu vois, pète une tonne à lui tout seul. Ouais, il est vraiment super méga grand. Oh, moi j'ai un papier rouge. En fait, j'ai un truc, c'est une combinaison de Teletubbies. Oh, ouais, non, c'est des palmes de Donald. Regarde, c'est des palmes. Ah, formidable. C'est des chaussures à ta vie. Donc, regardez les gars, maintenant j'ai des palmes. Donc, voici les pattes de Swan. C'est ça, ouais, les pattes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, c'est des lumières.
C'est les lumières du jour en utilisant les sacs gaming, j'ai l'impression. Alors du coup ici on a... Alors Swan, c'est quoi ça? C'est des lumières pour colorer la cuvette des toilettes. Génial. C'est génial, ouais. Et de mon côté on a un pommeau douche transparent. Génial aussi. Oh, c'est une peluche. Regarde, oh, c'est Gigi. Oui, c'est Gigi, c'est un chat. C'est un chat. D'accord. C'est des chaussettes avec des yeux? Ah ouais, bah moi j'ai des tiroirs de rangement en carton. Ce sont tes amis les chaussettes. Mais oui, elles sont marrantes hein. Oui bah, regarde en fait, il y a un petit aimant qui fait qu'elles peuvent se tenir la main et chanter ensemble et danser. Voilà. Formidable. Bah là c'est des guirlandes, c'est des trucs pour faire des lumières. Et ouais, j'ai un truc qui veut vraiment rester dans sa boîte on dirait. Ça, c'est quoi ça? C'est pas de l'essence. Je crois que c'est du savon que tu mets pour nettoyer les lumières de ta voiture. Donc les amis, du coup on a eu des montres, quand même assez stylées hein. C'est ça. Une Rolex, non c'est une blague. Et du coup ici des guirlandes. Et là Swan, c'est du polish en fait pour nettoyer les phares des voitures. Alors c'est quoi ça? Oh, oh c'est des chaussons croissants. Et moi c'est quoi ça? Alors attends, c'est un truc que tu mets pour la douche je crois. Pour en fait marcher dessus en mode satisfaisant, tu fais bien oublier. Donc ouais, mais des chaussons croissants. Chaussons croissants, bah voilà, c'est des chaussons croissants quoi. Donc, bah, c'est ça, c'est très drôle. Bon je préférais pas mais c'est sympa quand même. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est des LED gaming. Que t'accroches au mur. Ça. Ah, c'est pour nettoyer le sol ça. Tu peux marcher en nettoyant. Par contre j'ai vraiment aimé. Ok. Moi du coup j'ai eu un humidificateur arc-en-ciel. Salut mon arc-en-ciel. Pour les salles gaming. En fait c'est vraiment un setup gaming que la personne a commandé. Gros ouais mes chaussons coronavirus. Non bon je rigole, c'est des chaussons pour faire un ménage. C'est ça, donc c'est bien pratique. C'est ça voilà. Voilà, tu peux nous faire un moonwalk. Ouais. C'est comme ça moonwalk. Ouais. C'est quoi building block qui suis block? C'est quoi ce machin? Alors Néo en fait apparemment c'est une boîte de mouchoir. Bah du coup c'est un ramasse-feuille. Comme ça. C'est quoi ça? C'est un croissant. Wow. C'est encore un croissant. De mon côté du coup j'ai un rap langue, voilà. C'est assez spécial hein, mais c'est pratique. Pour brosser la langue. Oui oui voilà, c'est un rap langue. C'est ça. Et là du coup j'ai ce truc en or. J'ai vraiment pas du tout ce que c'est. Voilà, dites-moi en commentaire. Une sorte si... de flûte on dirait. C'est bizarre. Oh, regardez les gars, c'est un coup sympa. Ah, pour me reposer. Un iPhone X. Un iPhone Redmi 9C NFC. C'est quoi ça? En vrai, ça a l'air un truc carré quand même. Hein. En fait, c'est d'ailleurs, ça c'est une mandoline pour préparer plein de types de légumes. Voilà. Du coup, voici le téléphone. Donc en vrai, bien stylé. Oh, c'est marrant ça. Oh, regarde, j'ai des sandales. C'est ah, mignon. Ouais. C'est des sandales. Moi, j'ai un sac chat. C'est un sac avec un chat. J'ai des drapeaux espagnols, je vais vous montrer ça. Donc là du coup j'ai des drapeaux espagnols en stickers, voilà, donc c'est marrant. Et là des chaussures de bébé en fait. Oh. Des chaussures pour Néo. Ouais. J'ai fui faire la blague avant lui. Une veste, j'ai l'impression, un sweat. Ah c'est un sweat. C'est un sweat les gars. Alors du coup c'est un ensemble de survêtements. Ok, bah de mon côté moi j'ai une tirelire Hello Kitty. Ah t'as vraiment... Excellent. T'as beaucoup de trucs Hello Kitty. C'est trop bien avec la petite patte et tout. C'est génial, il y en a un deuxième. Pokémon avec Pikachu. Bon c'est une taille S, un petit S. Mais c'est sympa quand même, j'aime bien un peu. Et du coup de mon côté on a la box Hello Kitty. Donc voilà, elle est vraiment très sympa. Voilà, bien colorée. Et du coup, si on l'ouvre, coucou. Elle nous pique la pièce. Une tirelire Pokémon. Donc on appuie ici, enfin on met une pièce plutôt. Et là, Pikachu nous la vole. Voilà, il est terrifiant, Pikachu. C'est une crotte. Moi, j'ai une barrette gummy bear. Moi, j'ai des barrettes crotte. Non, je vois, c'est pas des barrettes. Épilateur. Du coup, de mon côté, là, on a une barrette gummy bear. Voilà, bien marrante. Et là, alors ça, ce sont en fait des boîtes pour sacs à crottes. En gros, c'est des sacs à sacs à crottes. En gros, en fait, tu prends ce sac crottes et tu mets des sacs à crottes dedans, comme ça, si ton chien fait ses besoins quelque part, tu sors un sac à crottes et tu ramasses. Ah, c'est formidable. C'est très pratique. Et de mon côté, du coup, là, j'ai un épilateur. Apparemment, si on frotte ça sur la peau, ça peut nous épiler. Donc, c'est le miracle, apparemment. Donc, on va voir si ça marche. C'est du fake. Ouvert très fort, Néo. Néo, tes poils sont plus forts que l'épilateur. Ah si, si, regarde, ça marche. Ça marche, machin. Ça fait mal ou pas? Non, ça va, bah faut juste frotter. Ça marche un peu? Bah, faut bien frotter, je l'ai mal fait en fait. Ça marche une fois sur 4000. Une fois sur 4000, mais on a vraiment des trucs, regardez. C'est quoi ce machin? Battle game? Battle game? Oh, c'est un jeu de bataille. Ah oui. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oh, c'est trop cool. On va s'affronter tout de suite. C'est les gorilles. C'est des gorilles! Oh, mais attends! Non, mais les gars, regardez, c'est des gorilles élastiques! Non! Ça, on va laisser en vie pour l'instant. Ça va pour l'instant, pour l'instant. Quoi, c'est ça? Une couverture, j'ai l'impression. Et c'est une couverture pour des salades! Néo, c'est génial! Oh! Oui, il faut une salade! Oh. Ensuite, ici, j'ai un rasoir Kemei. Ok. C'est quoi ça? En fait, les amis, c'est une housse de voiture. Juste c'est ça, voilà. Gigantesque. Okay, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que c'est pour épiler aussi. Oh, des grenouilles! Des grenouilles! Oh ouais, je sais pas ce que c'est, une sorte de jeu.
Fan, c'est une nouvelle étape dans ton mindset pour le knowing. C'est ça, voilà. En gros, c'est pour me muscler le visage. Voilà. Et en fait, en même temps que faire ça, faut faire du knowing. Ok, dernier colis. Il est super lourd celui-là. Il est encore plus lourd. Allez, vas-y, Léo, muscle. Oh, dernier colis. Allez, c'est parti pour tout ouvrir. On y va. Là, j'ai l'impression que c'est un. C'est pas une toffe, c'est autre chose, c'est un tablier. Alors en fait, je me suis trompée, c'est pas pour les barbecues. En gros, c'est à se mettre derrière le dos pour calmer les douleurs du dos. Oh, moi j'ai une trompette bleue. J'ai pas quoi ça sert. Une trompette bleue. Ok, j'ai plein de trucs là, on va voir ce que c'est. Ça, c'est des ballons. Donc là, du coup, on a des ballons pour un anniversaire. Ouais, bah pour les anniversaires. C'est ça, Barbie. Ça, c'est marrant. Hein. Puzzle Eating Toys. Ah, c'est un truc pour les chiens, je crois. C'est pour qu'ils résoudent des énigmes avec de la nourriture. Ah, d'accord, ils doivent pousser les trucs et après ils peuvent manger des croquettes. On avait essayé ça avec du chien, ça avait pas trop marché. Une casquette. Je n'ai pas lu qu'à faire son vidéo. Par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est, ça. Elle est bizarre à l'intérieur. Les gars, je sais pas du tout ce que c'est, ça. Donc voilà. Et sa particularité, c'est qu'à l'arrière, il y a ça. Des lunettes. Ah, des lunettes. D'accord. Ouais, c'est des lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'est-ce qu'une lunette de soleil? Ok. C'est bon. Bon, les gars, aucune idée de ce que c'est. Ça, là, vous me direz dans les commentaires. Ah, c'est pour mesurer. C'est pour mesurer? Pour mesurer la graisse. Ah, c'est génial. C'est pas une blague. Attends, c'est trop okay. Bien pour toi. Non, c'est bon, on a dépassé le seuil. N'importe limite. Quoi, on t'aide d'abord sur toi, Léo. Voilà, mais c'est pour prendre comme ça et mesurer les bourrelets. C'est vraiment intéressant. Wow. Très pratique pour ça. Qu'est-ce que tu peux tirer? C'est une sculpture en ballon. Oui. C'est censé être léger, une sculpture en ballon. Ici, on a un toupet. C'est parfait pour Léo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, Swan? T'as bien ma nouvelle coupe? Ça fait un peu bizarre. Quoi le problème, Swan? Je vois pas, c'est magnifique comme ça. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu un t-shirt. Oh. Happy every day. Joyeux tous les jours. Oh. C'est un mini t-shirt. C'est vraiment des vêtements pour bébé quoi. Oh, c'est trop mignon. C'est trop drôle. Ah, j'ai l'impression que c'est un manteau de fourrure. Allez, ouais, ça me fait un nouveau saut. Oh non, ça gratte. C'est grave. La chaîne en dehors, la lunette de soleil, on a un truc. Ouais. Oh, ça gratte tellement. Ça, c'est quoi? Car Smart Navigation System. Ça a l'air sympa. C'est un iPad pour voiture, je crois. C'est comme ça pour les Tesla. Je sais pas ce que c'est. Les amis, en fait, ce sont des fausses fesses musclées. Voilà, c'est pour les mecs qui vont à la salle pour faire genre qu'ils sont bien musclés à ce niveau-là. Voilà. Donc, est-ce que Thibaut InShape valide, hein? Ouais, on va lui demander. Franchement. Okay. On va voir. C'est quoi? On va voir ça. Léon! Oh, il ment rien! Regardez, en fait, les gars, c'est un pistolet massage. D'accord. C'est pour faire des massages. Regardez. Ça, tu vois, ça c'est pas fort. Attends, voilà. Ok. Maintenant. On va augmenter un petit peu la densité. 6, voilà, encore un petit peu. Voilà, 10. Wow. Et maintenant, on va faire des massages. Allez, c'est parti, mon Swan. On y va. Continue. Qu'est-ce que c'est, ce machin? Oh, je suis tombé. Quoi, ce truc? C'est un drapeau? Non, c'est pas un drapeau, ça, c'est un truc à mettre. C'est un poster? Non, c'est pas un poster. Non, moi, c'est un rideau de douche. Ah, c'est moi, stylé. Ouais. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai par contre? Moi, c'est un sac, j'ai l'impression. Ouais, les gars, c'est un sac. Un gros sac. Stylé, hein. C'est plutôt stylé en vrai, le sac. Une coque d'iPhone. Enfin, non, pas du tout d'iPhone. Pas du tout d'iPhone, une coque de ouais. Voilà. En fait, c'est encore le même sac. Oula. C'est quoi? Oula. Non. C'est quoi ça? C'est des pièces de Tetris pour ouais. Faire une structure. C'est quoi ça? C'est une coque d'iPhone? C'est une d'iPhone, ouais, je sais pas. Graphique card. Ah, c'est une carte graphique. D'accord, bah écoutez, parfait pour les modos Discord. Bien sûr. Voilà, vous allez pouvoir faire une dégustation des cartes graphiques, comme vous savez faire. Bien sûr. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un suite. Regardez, c'est un suite. Ouais, il est assez sympa. Donc alors les gars, maintenant, regardez, c'est mon suite trop stylé. On dirait vraiment le même truc que Babe, c'est marrant. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est soit un tapis de bain, soit un tapis de souris. Mais on dirait plus un tapis de souris en vrai. Hein. Mais fais-moi voir, c'est bathroom, c'était marqué. Ouais. Mais ça veut dire que c'est un tapis de bain. Bathroom, ça veut dire salle de bain. Touche. Bah c'est peut-être un tapis de bain. Bien sûr, c'est un tapis de bain. Bah si vous voulez. C'est de bain. D'accord, si vous voulez, si vous voulez. Là, je sais pas du tout ce que c'est ça. Ce truc. Ah c'est une ceinture. Ah ouais. Oh d'accord. Oh attends mais. C'est une ceinture avec un symbole au centre. Alors regardez, la ceinture en fait est deux fois plus grande que moi. Ouais, tu peux mettre des néos dedans. Je suis au max, vraiment ouais, c'est une grosse ceinture. Faut être très musclé pour apporter un ceinture. Ouais, effectivement, ouais. Faut avoir mérité la ceinture néo. Ouais, exactement. C'est une ceinture Harley Davidson, donc voilà, c'est pour les motards. Ouais, pour ceux qui savent pas, une Harley Davidson, c'est une moto. Bah, moi je trouve un détecteur de fumée. Ouais, c'est génial, hein, voilà. Ok, interdental brush, donc ce soit c'est pour tes dents. Non, encore génial, oui. Oh. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est genre des. J'ai l'impression que c'est des trucs un peu de voiture peut-être. Un bandeau customisé. Donc regardez, en gros c'est un bandeau. Stylé, ça fait un choix, ça, non?
Enfin, c'est tout rose avec des haches, donc je suis pas sûre quand même. Ouais, ouais. Donc moi, du coup, j'ai des morceaux de montre. Il faut juste la montre, le cadran. Mais voilà. Ah, d'accord. Alors moi, j'ai des morceaux de chaîne. Mais je sais pas trop pourquoi c'est. Genre, peut-être pour une tronçonneuse, un vélo, on sait pas. Ok, ok. Mais j'ai juste des chaînes. Bon, allez, on enchaîne. J'ai explosé, hein, franchement. Là, j'ai une clé de voiture. Bah voilà, parfait. Je cherchais ma voiture partout, je savais pas où elle était. Donc là, on va pouvoir. On a eu aussi un joli cadre photo, bien stylé, on a mis la dédicace, franchement ça rend très très bien, c'est bien stylé, c'est validé. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça t'a kiffé? Ouais, c'était pas mal quand même. Franchement, il y avait des trucs sympas, bon quelques déceptions. Ouais, quelques trucs bizarres aussi. Aussi ouais. Mais quand même c'était bien, c'était ouais, une bonne expérience. J'ai bien kiffé dans l'ensemble, on espère que ça vous aura plu. On met un max de pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, et à la prochaine, salut à tous. À plus. Ciao.